Il y a ce qui est important et urgent, ce qui est urgent et non important, ce qui est important et non urgent. Mais aussi, il y a ce qui est non urgent et non important. Comment décidez-vous de ce qui est ultime dans votre vie? Connaissez-vous vraiment vos priorités? Charles Baudelaire a dit: Ne méprisez pas la sensibilité des personnes. La sensibilité de chacun, c'est son génie. Savez-vous pourquoi vous êtes sensible à certaines choses, mais pas à d'autres? Il y a des choses importantes et nécessaires. Mais si nous prenons le superflu comme une priorité, il devient nécessaire. Mais quel serait le résultat que vous obtiendrez quand le superflu devient l'important? Bonjour mesdames, messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Pat Dersen-Lestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 106 de la série FC Leadership Podcast. Merci pour votre fidélité, beaucoup de gratitude à vous. Vous êtes le sens de ce que je fais. Si vous êtes nouveau à écouter ces podcasts, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Notre sujet d'aujourd'hui, vocation versus carrière. La paix et la peur peuvent coexister. Chacun de nous doit faire face à des peurs importantes. Mais il existe un type de peur qui peut tuer votre vocation personnelle. C'est la peur d'échouer. Nous avons tendance à avoir une vision incorrecte de la peur. Nous pensons que nous pouvons le faire disparaître. La peur ne fonctionne pas comme ça. Vous trouverez toujours quelque chose dont vous aurez peur. Mais lorsque vous comprendrez que la peur ne disparaît pas, vous serez en mesure de vous y maîtriser en toute sérénité. La peur va être présente. Ça va être normal. Cela n'a pas à vous paralyser. Aujourd'hui, nous allons analyser la vocation et la carrière. Sont-elles les mêmes choses? Quelle est la différence entre elles? Tout homme a un rôle déterminé qui constitue sa fin personnelle, en particulier sa destination. Nous pouvons dire que chacun de nous avons un appel spécifique sur cette terre. Votre appel peut être de divers ordres, artistique, scientifique, social, religieux, tout pour un but précis, aider le monde à retrouver son vrai sens de destinée. À ce stade, nous parlons de vocation personnelle. Qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressé par un domaine, non d'un autre? Il y a bien une raison. Qu'est-ce qui fait que vous êtes si passionné d'un domaine et que vous avez un tel don que personne n'arrive à égaler? Il y a une raison. Le problème est que notre société a longtemps inversé les rôles dans notre éducation. Cela fait que bon nombre d'entre nous vont se retrouver à faire la vocation des autres au détriment de la sienne. Tout homme a besoin de travailler. C'est une question de survie. Cela suscite une carrière, c'est-à-dire une profession à laquelle on se consacre pour avoir un salaire, un mode de vie social. Néanmoins, une carrière ne définit pas une vocation. Elle peut être par défaut, mais une vocation acceptée est le meilleur moyen de définir sa carrière en bonne et due forme. Une grande peur s'installe chez beaucoup de leaders, c'est la peur d'échouer dans leur carrière. Mais comprenez que votre vocation n'est pas seulement votre carrière, c'est beaucoup plus que ça. Si la vie était faite seulement de réussite professionnelle, il n'y aurait pas de place pour ceux qui n'ont pas de profession.
Et ceux qui sont placés au plus haut sommet du succès de carrière seraient les seuls qui contrôleraient la vie du monde. Vocation versus carrière. Découvrez qui vous êtes en dehors de ce que vous faites. Vous comprendrez que votre vocation doit être définie. Car vous ne pourrez pas vous épanouir à 100% si vous ne visez pas votre vocation qui va générer votre carrière et vous permettre d'identifier votre don ultime et votre zone de génie et sweet spot. Vous avez deux vocations, une vocation de foi et une vocation de mission ou vocation professionnelle. Votre vocation de foi est qui vous êtes. Ça ne change pas. C'est votre but. Une vocation de foi est d'abord un qui avant un faire. Votre vocation professionnelle, votre carrière peuvent changer avec le temps. Ce n'est pas qui vous êtes, c'est ce que vous faites. Étant donné que vous avez deux vocations, foi et professionnelle, vous êtes donc dans une dimension séculière et spirituelle. L'être humain est d'abord esprit, âme et corps. Pourquoi avez-vous envie de vous surpasser? Qu'est-ce qui fait que vous avez toujours envie de faire plus? Qu'est-ce qui fait que vous sentez toujours cette insatisfaction personnelle qui vous donne envie d'accomplir quelque chose de plus grand que vous et de vous sentir utile? Vous avez au fond de vous cette pensée d'éternité. Vous n'avez pas besoin d'un ministère, d'un titre pour vivre une vocation. Ne vous obstinez pas. Évitez la drogue du succès. Le succès viendra en cherchant à vivre de ce qui est essentiel. Vous accrochez d'abord à votre carrière au lieu de votre vocation, cela peut devenir votre stupéfiant de choix. Votre travail peut devenir le liquide qui remplit votre seau, mais pas nécessairement avec une eau claire et potable. Cela peut être une dépendance. Lorsque vous commencez à avoir soif d'approbation des autres ou de succès dans votre travail, vous risquez de devenir accro à la drogue du succès. Et comme toute drogue, la désintoxication n'est pas toujours facile. Admettez que vous pouvez vous tromper. N'oubliez pas que votre carrière n'est pas systématiquement votre vocation. Regardez autour de vous et voyez quels domaines de votre vie peuvent être en difficulté. Est-ce le domaine familial, sanitaire, social, couple, professionnel ou spirituel? Cela vous indiquera si vous êtes au bon endroit, malgré tout le succès éphémère que vous avez. Une longue liste de personnes célèbres qui ont eu de véritables succès de carrière peuvent en témoigner qu'une carrière sans destinée ne peut être que destructrice et peut vous faire rater les choses les plus essentielles et nécessaires de votre vie. Ce que vous faites ne vous définit pas. Vous devez d'abord vous définir afin d'influencer ce que vous faites. Aimez ce que vous faites, mais ne laissez pas cela vous définir. Paola Faris. Comment savoir si vous poursuivez votre vocation ou si vous êtes accro à votre carrière? Si vous avez tendance à vous entourer de bonnes personnes et que vous n'essayez pas de tout faire vous-même et vouloir garder le contrôle, il est possible que vous poursuiviez votre vocation. Sinon, vous êtes accro à votre carrière. Dans ce cas, trouvez-vous deux ou trois personnes de confiance pour vous soutenir et vous aider à en sortir. Écoutez les bonnes voix et demandez de l'aide pour prendre la décision du changement. Vous avancez dans la peur, mais vous n'oubliez pas que la peur sera toujours présente. Cela vous aidera à maîtriser vos peurs. À ce stade, il est possible que vous poursuiviez votre vocation. Sinon, vous avez besoin de revoir vos priorités. Ne pas savoir ce qui va suivre et en avoir peur est normal, mais vous pouvez avoir la paix en sachant que vous n'allez pas laisser votre dépendance vous définir. Si vous essayez de définir votre vocation ou de déterminer quelle pourrait être votre prochaine étape de transformation, voici des indices pour vous aider.
Réaliser ce qui est important, tout le monde n'est pas appelé à faire un changement énorme et drastique. Parfois, c'est aussi simple que de trouver des choses sur vous qui ne changeront pas et de se concentrer sur ces choses pour les changer. Libérez-vous du mensonge. Votre carrière n'est pas votre vocation. Donnez-vous la permission de vous diversifier et d'essayer de nouvelles choses. Cela peut vous aider à enfin trouver votre vraie destinée et y rentrer. Avoir une mentalité de leader anticipatif. Demandez comment mon moi de 70 ans prendrait-il cette décision. Essayez de vous mettre à votre place avec la prévoyance et la sagesse qui ne viennent qu'avec l'expérience. Pensez plus tard, lorsque vous êtes assis sur votre poste dans votre vieillesse, et comment la décision que vous prenez maintenant affecte cette personne. Et comment votre personne de 70 ans se sentirait à propos du choix que vous faites aujourd'hui. Et enfin, quel héritage que cette personne de 70 ans, votre personne de 70 ans, laissera à son entourage. La différence entre les valeurs que vous revendiquez et la vie que vous vivez équivaut à la douleur que vous ressentez. Craig Gauche. Si vous faites de votre vocation votre profession, vous avez l'opportunité de rendre votre vie unique et votre mission extraordinairement excitante. Ainsi, vous pourrez ajouter de la valeur dans la vie des autres. Si vous oubliez votre vocation et que vous tombez dans la drogue du succès, vous aurez peut-être beaucoup de renommée, mais très peu d'influence. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour grandir en tant que leader. Posez-vous ces questions suivantes et répondez-y franchement. Demandez-vous, est-ce que je trouve trop d'importance dans les choses qui peuvent changer? Est-ce que les choses que j'apprécie sont en conflit entre elles avec les choix que je fais? Quelle décision devez-vous prendre pour un mindset aligné à votre pourquoi? Avez-vous déjà eu affaire à la drogue du succès? Ce besoin incessant d'approbation des autres dans ce que vous faites? Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez faire une liste de choses qui ont plutôt tendance à vous faire attendre la gloire des autres au lieu d'être naturel dans ce que vous faites. Et dites-vous, que pouvez-vous faire pour changer tout ça? Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 106 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et de passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Pater Célestin, coach professionnel certifié RNCP et consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel des personnes accrues et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en envers là où tu sois ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour en faire sorte que tu regardes et vivre la vie de tes rêves. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous portez un intérêt particulier à ce show, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tous vos nouveaux contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée, développer leur leadership et faire leur propre transformation afin de réaliser leur plus grand rêve. J'accompagne les entreprises, les entrepreneurs, particuliers à faire leur changement. Si vous êtes intéressé à un coaching, vous pouvez en cliquant sur le lien que je vous ferai dans la description de cet épisode de podcast. Vous pouvez également envoyer un email à contact@fcdsa.com. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye!